Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous pour ceux qui nous rejoignent pour donc la. Oui, on n'a pas encore de son. Vous m'entendez bien? Le son va arriver. Alors il va falloir être un petit peu calme. Alors j'ai le grand plaisir de modérer cet après-midi les deux interventions. Je vous promets d'être absolument passionnante. Alors la première sera de Pauline Denisot, qui est maîtresse de conférence à l'Université Lyon 2. Qui travaille depuis plusieurs années, enfin depuis son travail de recherche en fait, sur la scène contemporaine égyptienne et qui travaille plus largement sur les circulations culturelles entre le Proche-Orient et l'Europe, des indépendances jusqu'à aujourd'hui. Alors Pauline a d'ailleurs co-dirigé un numéro tout à fait passionnant de la revue Théâtre Public consacrée aux scènes arabes contemporaines. Et elle publiera bientôt sa thèse aux presses universitaires de Rennes, donc fruit d'un travail de recherche mené en Égypte sur la scène égyptienne contemporaine. Pauline va aujourd'hui nous parler de la scène indépendante égyptienne, post-crise sanitaire, pour aborder la question de la résilience dans ces circonstances donc, qui sont très particulières, 10 ans après la Révolution et 2 ans après la Covid. Le second intervenant sera Talal Khacha, qui est enseignant d'anglais à l'Université de Lorraine et doctorant en co-tutelle internationale à l'Université de Lorraine et l'Université Masaryk en République tchèque. Alors lui, il travaille sur l'authenticité, le thème de l'authenticité dans les œuvres de Jack Kerouac, et sur le journalisme littéraire, la littérature américaine et arabe d'après-guerre, la narratologie post-classique, l'existentialisme et l'aliénation. Et il est intervenu lors de colloques sur la pragmatique et la littérature américaine en Espagne et en République tchèque. En outre, il publie des articles et des blogs en arabe pour la chaîne Al-Mayadeen. Et donc, Talal nous parlera du théâtre libanais contemporain entre monodrame et collectif. Donc depuis en fait la naissance du monodrame en 2014 jusqu'à nos jours, en abordant évidemment toute la question des ONG, de la façon dont elles interviennent ou pas dans ces différents types de projets. Et puis évidemment, il sera aussi question, je pense, de peut-être un petit peu des artistes palestiniens, de la façon dont ils arrivent à se positionner dans ce paysage théâtral. Mais tout d'abord, nous allons. C'est Talal qui va commencer pour une intervention. Je vous demanderai de respecter le temps parce qu'on est un petit peu pressé. Donc chaque intervention durera 15 minutes, suivra un temps d'échange de 15 minutes, puis on passera à la table ronde. Voilà. Je vous laisse commencer quand vous souhaitez. Donc bonjour à tous. Donc ma présentation est divisée en 3 parties principales. Tout d'abord, je vais parler de 3 des plus grands défis auxquels est confronté le théâtre libanais. Ensuite, je parlerai des collectifs de théâtre et du monodrame en tant que nouvelles tendances théâtrales qui ont émergé en réaction à ces défis. Donc, comme point de départ, je voudrais aborder un scandale récent qui a eu lieu en octobre et qui a touché l'État libanais en entier. Il s'agit de la décision du Bureau de la censure de la Sûreté générale d'interdire la représentation sur scène et dans les rues d'un spectacle musical d'étudiants parodique du système politique. Dans ce spectacle, des scènes montrent le personnage fictif Marshall Ocasio, qui avait l'habitude de traiter son peuple littéralement comme des chiens, de venir frustré et surpris d'entendre que son peuple a décidé de se révolter. Et finit par les accuser de trahison et par leur conseiller d'émigrer s'ils ne sont pas satisfaits de leurs conditions de vie. Ces scènes, notamment de l'incitation à l'émigration, ont provoqué cette décision de censure sous prétexte de diffamation du président de la République. Autrement dit, la Sûreté générale a constaté et admis la ressemblance entre le comportement autocratique et même sadique du personnage et celui du président libanais. Ce scandale représente une longue tradition de censure qui a contribué à l'empêchement de la naissance d'un théâtre libanais libre. Le décret en question établi le 1er janvier 1977, durant les premières années de la guerre civile, n'était que vaguement appliqué à cause de la préoccupation de toutes les factions du gouvernement dans la guerre
et le théâtre satirique provocant de Ziad Rahmani durant les années 80 fait preuve de ce relâchement. Néanmoins, dès la fin de la guerre en 1990, la censure était mise en vigueur et tous les scénarios des spectacles devaient être respectés afin d'interdire ceux qui montraient des sujets ou commentaires sociaux, politiques ou religieux sensibles. Parmi les exemples, je cite l'interdiction en 2015 du spectacle de Lucien Bourgeilly qui décrit l'enlèvement et le procès d'un politicien corrompu. Le deuxième grand problème auquel est confronté le théâtre libanais est le manque de financement. Tout d'abord, la plupart des spectacles sont financés par des organisations extérieures, les NGO, qui exigent parfois la conformité en format, sujet ou organisation particulière, ce qui diminue drastiquement la liberté des artistes. Le financement du ministre de la Culture, lui, a récemment été mesuré. Il s'agit en moyenne de 36 subventions par an, qui ne dépassent pas l'équivalent de 13 000 euros chacune, dans la plupart des cas beaucoup moins que ça, et qui sont censés couvrir toutes les dépenses d'une production. Mais selon moi, la plus grande difficulté est une problématique dont on ne parle pas assez et qui représente la raison principale pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de parler de l'état actuel du théâtre libanais, c'est l'absence quasi totale de ce sujet dans les médias. Je cite un article du journal de l'Association internationale des critiques de théâtre en 2019. Bien que la scène théâtrale libanaise soit vivante, vibrante, dynamique et diversifiée, il existe très peu de documentation sur les productions, l'esthétique et le discours du théâtre libanais. Cela est vrai tant dans le domaine du journalisme culturel que dans celui de la recherche universitaire. Au cours de la dernière décennie, pas plus de 20 livres ont été publiés sur le théâtre et les performances au Liban. En outre, il n'existe aucune publication spécialisée, évaluée par des pairs, sur le théâtre et les arts de la scène. Pour cela, je voudrais présenter deux tendances actuelles du théâtre libanais qui, pour bien rester dans le thème du colloque, définissent ces transformations et mutations, même si elles sont nées de la nécessité imposée par des conditions socio-politico-économiques extrêmement uniques plutôt que par un développement artistique organique. Il s'agit du collectif et du monodrame. Bien entendu, quand on parle des transformations qui créent de nouvelles tendances, on parle du théâtre anti-prestigieux, précaire et non concerné par des grands projets financés et organisés par l'État, autrement dit par des chefs sectaires qui se partagent le monopole de ce qu'ils considèrent être l'expression culturelle unique. Théâtre du divertissement à part, la première tendance est réapparue après un assoupissement d'environ 20 ans. Il s'agit du collectif de théâtre, qui vient de remplacer l'ancien modèle des compagnies de théâtre des années d'avant-guerre civile, comme Firkat al-Masrah al-Hadith et al-Hakawati, en s'engageant avec vigueur dans un travail social et politique. Aujourd'hui, il est possible de faire remonter la naissance de cette nouvelle forme du collectif à l'année 2006 avec la création du collectif Zoukhor, qui ne peut être séparé de l'invasion israélienne du pays la même année, et le déplacement de plus de 2 millions d'habitants du sud vers le nord. Les membres de Zoukhor définissent leur approche comme non hiérarchique, engagée dans la réflexion artistique collective face au système social et politique marginalisant. Parmi les spectacles engagés de Zoukhor, je cite Amial Ghalia, qui tente de dessiner la carte changeante du monde arabe à travers les yeux d'une femme qui fuit le Liban à la recherche d'un refuge en Europe, tout en incarnant la capacité des jeunes à s'adapter aux environnements multiples et difficiles, alors que Rassaïn Belid met en question le pouvoir du patriarcat libanais en identifiant l'obsession du peuple par la virilité des dirigeants religieux-politiques comme un malaise sociétal dissimulé. Moins engagés, mais non moins importants, sont les pièces de Zoukhor de dimension philosophique, qui tente d'expliquer l'aliénation, l'anxiété et l'isolement du peuple libanais en adoptant la pensée philosophique anglo-saxonne afin de définir les particularités du Libanais vis-à-vis du peuple occidental. Huwa alladhi ra'a intensifie la problématisation de la mort en étudiant le corps et l'esprit du Libanais qui, sans compter l'anxiété déjà présente et universelle du monde contemporain, est toujours en danger de mort réelle
provoquée par un attentat ou une explosion, tandis que Masrah al-Maraka représente une critique du silence comme réaction populaire unique face à la violence que le peuple libanais subit de façon quotidienne et qui le transforme jour après jour d'un spectateur de la violence à un participant complice de par son silence. En 2009, le collectif Laban a été établi par trois amis suite à une improvisation théâtrale aux Pays-Bas à laquelle ils ont assisté et dont ils ont apprécié diverses dimensions artistiques. Ils ont alors décidé de créer un théâtre basé sur l'improvisation et ses applications sociales. Aujourd'hui, Laban est pionnier dans deux tendances relativement nouvelles au Liban, le théâtre de l'improvisation et le théâtre du playback. J'ai eu la chance de réaliser une interview avec l'un des comédiens du collectif qui m'a expliqué que leur approche est basée sur la priorisation de la fonction sociale et humanitaire du théâtre. Répondant à ma question, M. Abourzin a identifié l'échange entre l'artiste et le spectateur ainsi que la négociation de l'identité comme but principal du collectif dans l'optique de rapprocher les gens de la découverte de l'identité collective. Concernant l'improvisation, c'est la dynamique de la pensée qui est révélée. Les comédiens partent d'un thème général, souvent suggéré par les spectateurs, et surtout humoristique et basé sur des jeux avec le public. Même si parfois ils reflètent les situations contemporaines surprenantes du pays, comme le spectacle Impolitical en décembre 2019, deux mois après le début de la révolution d'octobre, qui tentait de repérer la gamme d'émotions et de réactions spontanées face à un événement national inédit. À propos du théâtre de playback, c'est l'effet cathartique qui est visé. N'ayant aucune restriction sur ce qui est permis, autrement dit en opposition et affrontement direct à la politique culturelle de l'État, le collectif organise un événement mensuel qui s'appelle Qosaskuna al-Masrah, où ils invitent les spectateurs à raconter leurs histoires les plus intimes et parfois douloureuse afin de les rejouer sur scène par les comédiens. Le fait de voir une partie de sa vie externalisée semble déclencher presque toutes les fois un effet de décharge émotionnelle par le biais de la performance spontanée, ce qui explique pourquoi la plupart des performances playback visent la population la plus sensible et vulnérable du pays comme les réfugiés et les victimes d'agressions. Finalement, il faut ajouter que Laban n'est pas politiquement neutre, insiste M. Abourzam. En effet, le collectif considère la cause palestinienne comme l'un de leurs centres d'intérêt principaux et ils ont organisé il y a deux semaines, le 30 octobre, le spectacle Playback from Palestine and for Palestine en tandem avec une performance qui a été diffusée en direct à l'ouest de Ramallah, en Cisjordanie, afin de soutenir non seulement les Palestiniens en Palestine, mais également les réfugiés palestiniens au Liban. L'accélération des changements sociopolitiques sur la scène libanaise depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011 a contribué à établir le monodrame comme un genre sérieux et populaire, surtout parce qu'il a réussi à exploiter les dispositifs offerts à son cousin du spectacle solo plus populaire, le stand-up. Lui-même n'a prospéré que depuis les dernières 6 à 7 années, après avoir été dominé également par un seul comédien, Nemel Bounassar, depuis l'année 2008. L'esprit expérimental du nouveau théâtre a mené le comédien Refat Tarabay à accomplir son rêve d'enfance de performer Hamlet tout seul sur scène. Avec le dramaturge Gérard Avedissian, la première performance de la pièce intitulée Hamlet le prince fou a eu lieu la nuit de la révolution libanaise d'octobre 2019, une coïncidence symbolique de la coexistence de l'acte révolutionnaire populaire et artistique, et qui a donné une perspective libanaise à la fameuse phrase « Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark ». Du côté humoristique, Yahya Jaber exploite le pouvoir narratif du monodrame afin de traiter d'une façon légère les nombreux paradoxes et dilemmes du système politique confessionnel. Shouha est un de ces monodrames dans lequel Yahya choisit le comédien Hassan Awou, un chiite du quartier d'Ahyeh à Beyrouth, afin de présenter une mini-étude anthropologique
et incarner les particularités plutôt drôles, mais néanmoins sérieuses et réelles du caractère typique du chiite libanais qui, tantôt confiant de son appartenance familiale et religieuse, tantôt en conflit avec elle, maintient les nuances linguistiques et l'ésotérisme du savoir-vivre chiite. Toujours dans son enfance et à la recherche d'une identité, le monodrame libanais ressemble aujourd'hui à un laboratoire dans lequel l'image de la nouvelle identité du peuple hybride occupant le petit territoire du Liban est en train de se former, une identité déchirée par trois tragédies mêlées, la faillite de la République libanaise actuelle révélée au grand jour en 2019, la guerre civile syrienne de 2011 et la question palestinienne qui demeure dans la conscience collective de tous les résidents. Mise en scène en 2017 par le dramaturge libanais Junaid Saridine, la pièce 36 rue Abbas Haifa de la palestinienne Raida Taha représente l'histoire de la désintégration des familles palestiniennes suite à l'exode de 1947 qui fait émerger un sentiment de culpabilité qui domine la pièce. Il s'agit de la culpabilité d'une famille palestinienne qui a refusé de quitter la Palestine et qui est ainsi obligée de porter la nationalité israélienne et d'occuper la maison d'une autre famille qui a été chassée du pays. En performant les différents personnages de la pièce qui racontent des faits réels selon elle, Taha exprime l'angoisse d'un peuple devenu accusé en même temps de trahison pour avoir accepté la nationalité de l'agresseur étranger et d'incapacité à défendre leur territoire, mais aussi la loyauté du peuple qui ne cesse de croire au droit au retour. Toujours autour de la question palestinienne, le monodrame Oumiaba est une adaptation du roman de l'écrivain palestinien Salman al-Nantour par le comédien et dramaturge libanais Qasem Stambouli, qui sert à renforcer cette question dans la conscience collective du peuple arabe en racontant les misères du peuple palestinien, surtout leur persécution au Liban. Istanbuli considère le monodrame comme outil de résistance contre l'injustice, qui doit se libérer de la scène du théâtre et devenir un spectacle qui bouge, d'où la décision de performer dans les rues populaires, les camps de réfugiés et devant l'ambassade des États-Unis à Beyrouth afin de livrer un message politique direct. Istanbuli est également le fondateur du Théâtre Istanbuli qui a organisé le Festival libanais international du monodrame féminin qui favorise la liberté et l'égalité entre les sexes en faisant la lumière sur les questions relatives aux femmes dans le monde et surtout dans le monde arabe. Le festival offre aux femmes comédiennes l'outil de narration pour raconter et performer des histoires intimes liées surtout aux difficultés et parfois aux souffrances qu'elles subissent silencieusement, ce qui fait écho au mouvement MeToo aux États-Unis, mais au lieu des confessions sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un art de confession narratif et visuel qui se concrétise dans la mémoire collective. Pour conclure, au Liban, un pays où il n'y a ni théâtre national, ni financement pour les arts du spectacle, où la censure et la crise sociopolitique infiltrent tous les aspects de la vie culturelle, le collectif de théâtre et le monodrame émergent comme de nouvelles initiatives au sein du théâtre libanais. Ils ont ainsi réussi à créer leur propre espace artistique indépendamment de l'État et dans plusieurs cas en contradiction avec lui. Grâce à leur engagement dans la vie sociale et leur soutien des causes humanitaires comme la cause palestinienne, ce n'est pas une exagération de les considérer comme mouvements sociaux à dimension artistique, ayant créé un genre propre à eux-mêmes. L'intervention psychosociale, l'improvisation, le soutien aux personnes en situation de vulnérabilité, la narration et la mise en scène des vies quotidiennes, y compris les occurrences qui sont autrement inconnues, sont devenues grâce à ces deux révolutions artistiques des monuments du théâtre contemporain libanais. Elles lui ont apporté une dynamique inédite, tant au niveau de la performance elle-même que du sujet traité, le spectateur cible et les faits provoqués en lui, en évoquant l'introspection sur la question de l'identité politique, religieuse, individuelle et l'interaction entre l'individu et la communauté qui l'entoure, à partir de la révélation plutôt choquante des points communs, surtout les tragédies communes entre les différentes confessions, affiliations politiques et classes sociales. Merci.